EST for life. 40 motherfucking days, I hustle 40 nights. I got 40 deep behind me. Salut tout le monde, c'est Number 117, je suis en ce moment même sur Insurgency, c'est un FPS hardcore développé par New Interactive Game, je sais plus quel développeur, mais en tout cas, le jeu est disponible sur Steam et sur toutes les plateformes disponibles pour l'acheter, sur Kinguin ou sur les sites là pour acheter vos clés Steam. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc il y a plusieurs modes, donc tactiques, entre deux groupes, donc les insurgés et la sécurité. Donc il y a Firefight, c'est pour capturer des objectifs, donc des points. Search and Destroy, c'est pour avancer sur la carte en détruisant des objectifs avec du C4 ou des grenades. Et VIP Escort, ça je sais pas ce que c'est, il faut extraire un VIP. Bon. Voilà, donc pour vous montrer, je vais vous faire un tout petit gameplay sur Firefight, donc capture d'objectifs. Donc, maximum de joueurs, il peut y avoir sur un serveur 32 joueurs. Donc voilà, il y a des serveurs à 32, à 24 et à 16. Donc voilà, donc c'est pas trop mal hein, pour un jeu qui ne coûte que une quinzaine d'euros, donc... Franchement, c'est pas mal. Bon, après, le jeu, il est vraiment hardcore. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un Counter-Strike Global Offensive, sauf que, ben, en fait, c'est un Counter-Strike Global Offensive, mais en hardcore. Ben, c'est vraiment... ben, c'est comme en vrai. C'est une balle dans la tête, ben, vous tombez par terre. Voilà. Donc, voilà, vous avez le choix, donc ici, à choisir quel type de classe vous allez prendre. Donc là j'ai le choix entre ingénieur, donc ingénieur, démolition, donc je pense que c'est celui avec le C4, support c'est les balles, et Rifleman c'est le sniper, donc je pense que je vais prendre un Rifleman. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai le Mini 14, je peux prendre plutôt ça, je préfère, j'avais testé l'arme là, elle était pas mal, je vais prendre un petit holographique. Ouais, un holographique c'est super, des balles si j'ai peu, non je peux pas, pour l'instant je peux pas. On peut que... Ouais, Heavy Barrel, voilà. En fait, à chaque manche, je crois que vous gagnez des points pour bah, augmenter vos améliorations d'armes, en fait. Donc, qu'est-ce que secondary? Ouais, j'ai plus de points. Bon, c'est cool. Je viens de gagner, là. J'ai rien fait. Bon, comme ça, voilà. Donc là, je vais peut-être baisser le son du jeu. Hein, c'est un peu fort. Vidéo, game, audio, voilà. Donc le jeu il est encore en anglais. Hein. Je vais mettre ça à 22%. À 16%, voilà. Pas non plus que ça soit trop fort. Allez, et là on y go. Donc, logiquement je suis avec des vrais joueurs en face. Donc ça va être compliqué. Donc le but c'est de pas rusher comme un taré sur le jeu, c'est vraiment d'avancer petit à petit. Oula, t'as la sensibilité, elle est vraiment énorme. Je vais peut-être la baisser. Alors, Kaimen Mousse, Smooth Sensivity, je vais la baisser. Je vais mettre à 3,50. Je pense que... Ouais, c'est parfait. Oh, regardez là-bas. Non, ça c'est un allié, ça? Ouais, c'est un allié. C'est le point bleu, les points bleus c'est les alliés, je crois que les points orange c'est... Ça c'est quoi ça? Ouais, ça c'est un allié aussi, jaune aussi. Vraiment avancer pas à pas, ça tire derrière. Bon, où sont les ennemis? Ah! Je vois des tirs là-bas, j'aimerais bien faire le tour. Mais si je fais le tour... Oh là, il y a quelqu'un qui se fait tirer dessus, là. Donc, logiquement, j'arriverai à vous montrer des ennemis, hein, c'est pas le souci, mais j'ai pas, c'est pas un jeu où, comme Battlefield où vous allez rusher, c'est plutôt un tactique... tactique combat, quoi. C'est... Oh putain! Je sais pas c'est quoi qui me tire dessus. Alors je crois que c'est un snipe, je suis pas sûr. Je vais bouger. Merde.
Est-ce que je peux passer par là? Je vais essayer de faire le tour. Ouais, on peut passer par là. C'est stressant, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Alors je sais pas ce qu'il faut faire exactement, logiquement il faut protéger les points, mais là on est combien? Ouais, bon ils sont quand même une dizaine en face. Hein. Je sais pas s'ils sont tous morts ou au contraire. Ouais, bon. Alors, où sont-ils, les types? Moi, je peux pas savoir. Bon, ça lance des grenades. Alors le type il tirait d'ici tout à l'heure, la dernière fois. Bon, j'essaie de pas mourir, hein. Pas vous montrer n'importe quoi non plus, on va essayer de bien jouer. Oh, c'est quoi ça? Ok, bon, il y a quand même des petits bugs encore, hein. C'est pas tout à fait... Le jeu il est encore, je crois, encore en bêta, hein. Il me semble. Oula, il y a des traces d'impact là. Ouais, il y a des impacts de partout. Ouais, bon, il y a quelqu'un qui a fait le ménage. Ah va. Oh, victory. Bon, j'ai rien fait. C'est super. Mais, bon. Il y a apparemment des personnes et des joueurs qui jouent plus rapidement que moi, c'est sûr. Bon, on va essayer de rusher un peu. J'essaie de vous montrer... alors c'est quoi le couteau déjà? Je sais même plus c'est quoi. Bon, on va mettre un fort grip si on peut. On peut pas mettre de fort grip, ok, parce que j'ai pas fait de kill, c'est pour ça. Donc il y a plusieurs vagues, comme vous pouvez le constater. C'est un peu comme Counter Strike Global Offensive, le mode là. Donc. Allez, bon, je vais suivre celui-ci, il a l'air de savoir où il va. Alors, est-ce qu'on peut, ouais, on peut se mettre sur le côté comme ça, avec les touches. Je crois que j'en ai eu un, je suis pas sûr. Donc le jeu est encore en anglais, hein. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Ah, une grenade. Ils passent, ils sont foutus. Bon, ils font quoi là? Est-ce que j'en ai eu un tout à l'heure? Non, j'en ai pas eu. C'est le mec en face de moi qui l'a eu. Bon. J'ai envie de rusher, hein, franchement. Voilà, premier kill. Bon, de dos. Qu'il y a quelqu'un au-dessus, je suis pas sûr. En face. Et de deux. Bon, ah, ça va pour l'instant. Oh, il y a une grenade par terre.
Pour l'instant, j'arrive à faire 2 kills. Ouais, j'ai fait 2 kills. J'ai un score de 30, donc ça, c'est pas vraiment mauvais pour l'instant. Bon, voilà, il y a plusieurs tactiques quand même, j'ai l'impression. Oh! Qui tire dessus là? Je sais pas d'où ça tire. Il en reste encore quelques-uns. Oh, je sais même pas où je vais. Je vais voir. J'espère que je peux me faire tirer dessus. Je suis le dernier ou quoi? J'ai l'impression d'être le dernier en vie. Bon, le mode là n'est pas... comment dire? N'est pas très... Oh là, il y a un carnage ici. N'est pas très... vif. Oh putain! Oh là là! Oh oh! C'est qui m'a lancé une grenade? J'entends plus rien. J'ai débloqué un succès. Bon, apparemment. Ok. Ouais, mais du coup, il m'a foutu les boules, celui-ci. Il est mort? Eh putain, mais j'ai un allié qui est mort. Ouais, faut protéger ce putain de point, hein. Elles sont combien en tout, là? Il faudrait prendre le point C, c'est ça? Je crois que si on ne meurt pas, on gagne. Je suis pas sûr. Bon, j'essaie de faire le tour. Ah, ça tire. Ça tire. Oh, bon, on a gagné. Bon, bah voilà. Je vais essayer de peut-être vous montrer encore un autre mode. De ce Insurgency. Donc, on va quitter. Alors, on va quitter. Skip to the game. Voilà, the menu, play now. On va faire. Search and destroy. Ça peut être pas mal. Et puis après, je terminerai là-dessus. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on joue un Insurgency, donc en prenant son temps ou en rushant, mais il faut vraiment connaître les différentes techniques et les différentes comment dire cachettes pour pour pouvoir survivre, on va dire, parce que bon, dès que vous mourrez, vous êtes obligé d'attendre que vos coéquipiers remportent ou au contraire et eh ben perdre la partie. Donc là, c'est un search and destroy, donc il y a des objectifs, donc des points. Moi j'aime bien ce mode là. On va faire sniper, on peut pas. Sapeur, je sais pas ce que c'est, ouais. Et corps à corps. Bon, on va prendre une AK, allez hop. Secondaire, on va prendre la petite arme là. Voilà. Appliqué. Voilà. Bon. Alors pourquoi il n'avance pas, ça? Pas comprendre. Donc il y a des snipers. Faut faire attention. À ne pas se faire sniper la tronche. Donc, je vais essayer d'aller vers le point A. C'est là où ça clignote. Ah, je crois que je viens de voir un ennemi ici. Alors, je sais pas si c'est un ennemi ou si c'est un allié. Mais en tout cas... Non, ça c'est un allié. Ok. Ça tire. Bon. C'est pas la bonne tactique d'aller au milieu. Ouais. Regardez. J'essaie de... Merde, c'est un allié ça, putain. Ouais, là, bon, qu'on peut se tromper. Oh non, j'aurais pu avoir un ennemi là. Je suis vraiment dégoûté là.
J'aurais pu l'avoir au couteau, mais non, le fail. Nous avons gagné. Bon, ben voilà, je vais vous laisser là-dessus. Donc, j'espère que cette petite vidéo d'Insurgency vous a plu. N'hésitez pas à vous renseigner sur le jeu pour savoir comment le jeu se déroule et comment ça fonctionne. Et si vous voulez acheter, si ça vous plaît, ben voilà, vous pouvez l'acheter sur Steam déjà. Il est disponible. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut et à la prochaine. Bye bye. I copy.